D'explosivité, de vitesse d'exécution et de rapidité et d'impact physique aussi. Qu Qu'est-ce qu que vous allez privilégier demain pour leur faire face, l'explosivité avec les jeunes ou bien l'expérience avec les cadres Les deux, on va allier les, les deux parce qu'on a une équipe aussi avec des garçons qui ont cette caractéristique que vous venez de, de citer. Mais le haut niveau aussi, c'est l'expérience, l'expérience des gros matchs, l'expérience des, des grands événements, l'expérience aussi des matchs décisifs. Et ça aussi, nous l'avons. Je l'ai toujours dit, nous avons constitué une équipe euh, homogène, une équipe euh, qui allie expérience et jeunesse, mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain, je sais que cette fibre-là, cet ADN compétitif, euh, ils l'auront. En espagnol, Diego Macías de à Alguma préoccupation en spécial, le niveau de -Valencia, Vous avez des de préoccupations s'agissant de Valencia qui est blessé. Donc, Valencia ne jouera pas le match de demain. Ah bon Ah bon Il ne jouera pas Il jouera pas? Si il va avoir une eh, préoccupation spéciale, Ener Valencia, avec le delantero équatoriano, qui tenu un bon Préoccupation s'agissant de ce joueur Valencia, donc Ener Valencia, qui sera peut-être ou peut-être pas là demain. J'espère qu'il qu ne sera pas là. là. <laughs> J'en suis pas sûr. Je pense qu'il il sera là. C'est un match très important où ils savent que qu'en point, ils peuvent se qualifier. Et... La mentalité du garçon, je ne le connais pas bien, mais sur son, sur sa posture, on voit que c'est un guerrier et que des matchs comme ça, il aura envie de, de faire partir. Mais je crois que toute l'équipe de l'Équateur est une très très belle équipe et je suis sûr et certain qu'il y a d'autres remplaçants pour pallier à cette absence là de Valenciennes. À nous de nous concentrer nous sur notre équipe et surtout de ce que nous devons faire et pour remporter cette, cette victoire là. Merci.